Salut tout le monde, c'est Charlie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette fois Super Mario All-Star. Donc, je vais mettre l'intro et je vais chercher la chaise. C'est bon. On va commencer. Donc Super Mario All-Star qui est un jeu assez difficile avec des jeux compliqués comme Super Mario Bros. Voilà. Donc là on peut jouer dans les mondes avec la croix directionnelle. Voilà. Moi je lis dans le premier monde de Super Mario Bros. J'aurais qu'on était sur le 3, bon c'est pas grave. Déjà c'est un tout vieux jeu, hein, Super Mario Bros. Voilà. Donc Super Mario All-Star qui est un super jeu, mais l'un des jeux assez difficiles. Parce que moi je suis bloqué dans The Lost Level. Parce que en fait, je suis sur un niveau, mais c'est toujours sur la fin. Vous allez voir, je vais faire après. Je perds toujours. Et quand je dis toujours, c'est toujours. Voilà. Je fais toujours la moitié parce que Mario ne veut pas sauter. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai compris. Peut-être parce que en fait, il faut sauter sur le coupé et ressauter sur le bloc. Et puis après on y est, je crois. Je suis pas sûre. Donc là on a gagné le premier niveau. Bah c'est super. En tout cas pour moi c'est un super jeu. Il est très technique. Mais pour moi en fait les niveaux prennent beaucoup trop d'importance dans ce jeu là. C'est pour ça quoi ça en fait. Ça qui m'embête avec ce jeu. Mais bon nous on va pas chipoter. J'ai déjà posté le troisième défi de Mario Kart Wii. J'ai fait 3 grands prix, donc la vidéo dure 40 minutes. Donc ben voilà. Donc là, c'est la zone secrète. D'accord, je vais passer dans la 4. Moi, justement, franchement, je me débrouillais plutôt bien dans ce jeu-là, mais pas trop. Voilà. Quand j'étais petit. Hein. Moi je déteste un niveau dans Super Mario Bros 3, c'est le niveau aquatique. C'est le septième niveau. C'est le septième niveau. Enfin non, c'est le quatrième niveau du monde 7, le niveau aquatique. C'est ce niveau que je déteste. Déjà je suis vers la fin, mais je perds tout le temps. Je suis toujours énervé. Même plus qu'énervé. Et voilà. Donc bien sûr j'ai dit que les niveaux prennent trop d'importance pour ce jeu là et c'est ça qui me stresse. Et oui c'est ça qui me stresse. Alors, c'est pour moi ça. Peut-être que ça prend pas d'importance, mais pour moi ça prend trop d'importance. Franchement. Alors là. Oh c'est le. C'est bon que je déteste. Ah je vais crever là. C'est bon. Oh là là. Ouf. Ça c'était bon. Déjà si vous avez la Wii, moi je vous conseillerais d'acheter Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 avec New Super Mario Bros. Wii, qui sont des excellents jeux, bien sûr.
Donc t'as encore un passage secret qui emmène dans la zone 5, t'as dans le monde 5. Oh là là, avec ça, c'est sûr que je vais avoir beaucoup de mal. Déjà pour moi, je suis en galaxie, mais était pas trop difficile. Mais c'est vers la fin, c'est vers la fin où on avait un peu de mal. On avait un peu de mal. Je me rappelle d'une galaxie en fait. C'est le luma de la. Oh, ok. C'est le luma de la salle de bain avec la galaxie. Alors celle-là, je la déteste, cette galaxie. J'ai beaucoup de mal. Mais d'abord, elle est technique. Hein. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire qu'elle est technique. Voilà. Donc, il faut beaucoup d'entraînement pour la faire. Celle-là. Voilà. Donc, je gagne encore un stage. C'est super. Là, si vous m'entendez pas très bien, je parle pas assez fort. Et puis, voilà. C'est pas grave. Ah, on peut y aller. Super. Là, c'est chaud. C'est hyper méga chaud. Oh non, mais s'il avait pas envoyé son vieux marteau là, j'aurais pu le toucher. Oh, quelle naze. Et allez, bien sûr. Purée. Ah, ce niveau là, il est chaud. Pas possible, là je déteste cette. Bon, game over, écoutez, on va quitter ce jeu. On va passer à un autre. On va passer à The Lost Level. Bon, je vais mettre au début. Tac, voilà. On peut aussi jouer avec Luigi, mais bon, je vais pas jouer avec Luigi, on va pas chipoter. Comment on fait pour choper ce champignon là? Hein? C'est pas possible. C'est impossible à le choper. Je sais pas ce qu'ils ont critiqué les développeurs. Ah, bien sûr. Et, si ça va. Ah, attention, champi poison. Celui-là, je trouve. Bah oui, bien sûr. Celui-là, je trouve qu'il aurait dû être. Qu'il aurait dû être banni, franchement. Et regardez. Le champignon. Et comment on l'attrape? La Nintendo a fait du mauvais travail. Et là, on peut plus le choper. Voilà. Mais vraiment, ça se joue vraiment. Comme dans Dragon Slayer. Ça se joue au dixième de seconde pour avoir les bons items. Voilà. Vous voyez, c'est chaud à jouer. Mais je sais pas où je vais là. Oh, je l'ai pas vu. Oh. Bah, écoutez, je pense que je vais avoir. Ah, bah, c'est ce que bien je pensais. Bah, on va recommencer juste après. Je redémarre le jeu, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Mais regardez comme j'ai du mal. Vous allez voir. Tac. Là, ce passage, ça va. Celui-là encore. Bon, bien sûr, c'est là. Mais quelquefois, ce passage. Tac. Je finis dans le décor. Youhou. Mais voyez, on peut pas. C'est impossible de gagner ce niveau. On peut pas le gagner. Parce qu'il est beaucoup trop hard. Faut être le King of the World à ce jeu. Oh,
Franchement, c'est dingue. Parce que New Super Mario Bros, je me débrouillais super sur la Nintendo DS. Et voilà, super! Youhou! Franchement, si vous avez ce jeu, non, ne jouez pas celui-là. Parce que, rendez-vous compte, celui-là est dur. Mais franchement, là, c'est impossible. C'est impossible, quoi. C'est impossible, au passage, du coup, pas. Wouhou, yes! Encore perdu, bon, écoutez. On va arrêter, parce que là, ça commence à me saouler. On va jouer à Super Mario Bros. 2. Bon, je suis couronne. Ah, je suis une grosse merde. Bon, essaye. Bon, je prends Toad. Pour ceux qui savent pas jouer. Mais j'aurais pu prendre Peach parce que Peach va beaucoup plus haut comme dans Super Mario 3D World. Parce que Toad, lui, hop, il faut vraiment faut être fort parce que lui, il plane pas du tout. Il peut pas en faire, donc il faut être fort. Peut-être qu'on peut ramasser les espèces de racines, je sais pas ce que c'est, bref. Mais ce qui est cool avec ces jeux-là, c'est qu'on a. En fait, on avait eu un Super Mario Bros. 2 sur Game Boy. Ça, je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est super. Parce qu'un Super Mario Bros. 3, on en a un sur la NES, un sur la Game Boy, on en a un sur DS et un sur Wii. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ah, le pont qui était aussi dans Mario Kart Wii. Ça, comme ça fait toujours un tremblement de terre, ça n'a pas changé. Voilà. Allons-y, c'est pas chasse le plus dur. Yes! Yes! Bon, écoutez, je vais jouer à... J'ai déjà joué à Super Mario Bros. J'ai déjà joué à Zero Level, mais alors je suis en train de jouer à celui-là. Et après, Super Mario Bros 3, puis après on arrêtera là. C'était une vidéo de Super Mario All-Star. C'était pas mal. Même si c'était pas bon. Pourri. Donc je vous montrerai un raccourci, mais je sens pas que je vais y arriver parce que. D'abord, c'est hyper chaud. Bon, attendez. Voilà, c'est ça. En fait, pour. Attendez. Ça va le foutre dans le décor. Voilà. Tac. En se baissant. On peut sauter haut. Bon, je pense pas que je vais y arriver, mais bon. C'est une porte pour nous amener au boss. Oh, j'ai réussi, super. C'est une porte pour nous amener au boss. Qui est donc Birdo, qui est super simple, vous allez voir ça. Attendez, là, faut que je me baisse. Ouais. Et nous arrivons chez Birdo. Il faut lui balader. Il faut lui balader ses œufs. Sur lui. Faut faire trois coups. Merde. Ah mais j'arrive pas à choper ces œufs là. Purée. Allez, mais j'arrive pas à les prendre là. Purée. Voilà, super. Tac. Après on a une bulle. Ce qui nous permettra d'ouvrir la bouche de l'aigle en fait. Voilà. Tac. Et voilà. Ah non, j'ai raté le serpent. Le cœur. Bon. Bon, je vais jouer avec Luigi cette fois. Attendez. Lui, sa capacité, il peut planer. Il saute un peu plus haut. C'est-à-dire comme dans Super Mario 3D World. Trop longtemps sur le tapis, regardez, tac, il s'enlève. Ah, zut. Super. Là je me suis fait toucher donc j'ai perdu un cœur. C'est pas grave.
on arrive au boss. Oh ouais, Birdo est très simple. Tu vas me rattraper l'œuf. Oh putain. Parce que c'est possible de rattraper les œufs. Les œufs. Ah non, je vais pas pouvoir le rattraper, quoi. Ah putain. Je peux encore le rattraper. Oh non, putain. Bon, je pense que je vais me faire avoir là. Et c'est pas vrai. J'arrive pas à prendre les œufs là. Voilà, super, j'en ai un. Oh non, j'avais touché. Ok, on le sélectionne. Et moi, je vais arrêter et je vais jouer Super Mario Bros 3. Voilà. Bon, je vais montrer au monde. Le monde 4 qui est le monde le plus gros. Qui me fait penser à Super Mario Galaxy 2. Franchement. Là c'est super. Donc là on a nos réserves. J'ai pas mal d'items. Merde, elle con. Oh. Allez. Le thème de l'étoile qui n'a pas changé. Bon, ça, ça va permettre de dégommer les ennemis. Donc la transformation du raton laveur, voilà, qui lui permet de planer. Tac. On a également la fleur de feu, bien sûr, qui lui permet de lancer des boules de feu et non pas des boules de glace, comme c'était présent sur la version Wii. Enfin, là, je joue sur la version Wii, hein. Et c'était présent dans New Super Mario Bros. Wii. Franchement, si vous avez la Wii, pour moi, il faudrait acheter Super Mario Galaxy. Si vous trouvez un troisième Super... Purée, bordel, toi, attends. Si vous trouvez un troisième Super Mario Galaxy... Mais punaise, c'est pas vrai, là. Eh, bordel. Franchement. Mais si vous trouvez un troisième Super Mario Galaxy, franchement, mais... Achetez-le. Achetez-le, hein. S'il y avait un troisième Mario Galaxy, moi j'aurais acheté, hein. Je l'achèterais, hein. Peut-être qu'ils vont peut-être en sortir un troisième. Non, Nintendo, s'il vous plaît. Je veux vous sortir un troisième Super Mario Galaxy. Peut-être que je vais plus le préférer qu'au premier, hein. Moi, je préfère pour l'instant le premier, hein. Parce que pour moi, le premier est beaucoup plus technique. En fait, ils sont tous les deux de la même façon technique, hein, mais bon. Et je suis juste au-dessus là! Mais c'est pas vrai! Bon, j'arrive pour faire aller plus parce que c'est chaud quand même. On va essayer de bien s'en couper. Bon, tant pis, passe-moi là. Allez, 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 allez. Champignon. Là, 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 là. Voilà. Bon, écoutez, dès qu'il me reste 15 vies, on arrêtera la vidéo. Voilà. Donc là, je suis à 18 vies. Hein. Voilà. Je suis à 18 vies. Donc, si je perds... Si je perds encore 3 vies, on arrêtera là. Bon, ça m'a fait encore plaisir de jouer à ce jeu-là. Bientôt, je vous ferai une vidéo de ma carte double dash. Avec, dans le grand chelem. Par contre... Par contre, il faudra préparer quelque chose, hein, pour vous occuper à manger. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais. Parce que le grand chef, ça va forcément... Merde. Ça va forcément durer longtemps. Toutes les courses, c'est très long. Faire les 16 courses, ouais. Ça prend quand même du temps. Déjà que je vais faire en 50...
Déjà je vais faire 150 cm cubes et que j'irai pas à la super vitesse. Et déjà, parce que j'irai pas à la super vitesse, ça va durer forcément longtemps. Oula. Enfin, franchement, je hais ces niveaux-là parce qu'ils sont super chauds et énervants. Donc, tac, voilà une maison. Le moral de gagner un état, mais c'était déjà présent dans la version. Maxima, c'était déjà présent dans la version DS, il me semble. Bon, ok. Ce qui est chiant, c'est d'attraper les champignons. Le plus, c'est au moins une fleur de feu. Voilà. Une fleur de feu, c'est un peu plus avant ça. Attention à lui, parce qu'il va être un peu de monster et il jette des marteaux. Et puis là, avec ça, je vais peut-être pas y arriver. J'ai du bol les mecs. Super. Et mais franchement les mecs, là je devrais crever mais bon. J'ai du bol en fait. Oh purée, oh là là. Ouh. Ouh si ça c'était pas du King of the World. Franchement. Super. Bon je me débrouille très très bien. Parce que franchement dans Mario Kart, les routes arc-en-ciel c'est pas les circuits les plus faciles du jeu, à part celui de la N64 qui était nul. Dans la Rainbow One. Ça me permet de gagner une vie. Ça va être chaud. Oh là là. Ouf, ça c'était... Oh ça c'était... C'était plus que du King of the World ça. Waouh. Ah regardez si j'arrive. Oh que con. Ah parce que si j'avais eu la l'étoile, ça m'aurait permis d'avoir 5 vies. Bon là c'est pas grave, 20 vies. Si je perds encore 5 fois, j'arrêterai la vidéo. Putain, je vais utiliser. Bon, je vais rester comme ça, t'inquiète. Donc là on est sur la tour, il faut aller battre Boum Boum. Boum Boum, il est hyper simple. Par contre, il faut éviter ça. Ce qui arrive. Attention fantôme, c'est-à-dire au bout. Dans attaque sur le... Si on se met comme ça, si on se met comme ça, attaque le bout, il nous suit. Car il a peur en fait de nous voir. Tac, on va attendre. Oh bah. C'est pas grave, tant pis. Oh non, il m'avait même pas touché. Oh non, oh, j'étais pourtant sur le bloc là, normalement. Pour ça, je vais forcément utiliser le ce champignon là parce que forcément je sais que je vais perdre, je sais plus. Bon ça c'était pas, mais putain, ça c'était présent dans, c'était présent dans la version Wii, ça, dans mieux je peux en construire. Bon, là j'ai un nuage parce qu'en fait, le nuage nous sert en fait à passer le niveau si on veut pas les faire. Donc, voilà. Bon, attendez. Je vais prendre une feuille. D'ailleurs, une leaf. Ah! C'est bon. Bon. Tac, là j'ai pas besoin. Ah. Regardez ce que j'ai découvert. Tac, en regardant les flammes, elles s'arrêtent. Parce que... Ouah, parce que c'est comme les fantômes. Hop. Oula. Il va falloir que je les amène. C'est pas grave. Vite. Super. Hop, encore une faille. Allez. Super. Ce qui en fait nous permet de donner des coups de cœur.
Mais c'est pas vrai, il s'est même pas dépêché, cet imbécile. Tac. Parfois, il faut se manier parce que Boum Boum pourrait avoir des ailes. Ouais, bon, lui, il était super simple, Boum Boum. On est rendu à 25 minutes, à 25 minutes 40. Bah, dis donc. Donc, le tuyau, tac, qui peut nous emmener à un endroit hyper loin. Voilà. Tac, on va faire le prochain stade. Oh non! Oh non! Oh, mais non, je hais les niveaux aquatiques. Je les hais. Ceux-là, je trouve, ils auraient dû être bannis. Je déteste les niveaux aquatiques. Parce que déjà, il y a les ennemis qui sont chiants, qui sont énervants. On peut rien faire. C'est pour ça que je les déteste. Et je trouve que tous les gens vont détester ces niveaux-là. Parce que franchement, ça, c'est naze. Hein. Même si je suis souvent fort. Bon là j'ai joué le King of the Worlds. Même si parfois je suis fort. Les niveaux aquatiques c'est pas les plus faciles, hein, je peux vous dire. Il y en a d'autres qui sont moins faciles, c'est les souterrains ils peuvent être durs. Il y a beaucoup de niveaux qui sont durs. Ah bah tiens nickel. Bon lui, qu'est-ce qui est passé pour moi. Donc là c'est en fait des petits bonus qui nous serviront en fait. Avoir des items dans la réserve. Oui mais. Je crois que. Bah je me suis planté. C'est pas grave. Donc là ça permet de gagner des vies. Hein. Bon, je vais pas prendre des vies parce que sinon la vidéo va durer un peu trop longtemps. Donc j'essaie de. Je crois que c'est là. Oh là là. Mais quand je prends un enfin un coffre. Si j'ai toujours un champignon hein, et Nintendo là, ils sont pas sympas. Là, je pourrais les tuer avec la boule, avec les boules de feu. Je pense que tu es sûr avec les boules de feu. Une étoile. Hop. Tac, j'ai. Non, je vais faire le stage. Il est pas compliqué celui-là. Vraiment celui-là il est pas si simple, pur. Oh non. Oh là j'ai fait le gros naze. J'ai fait le gros nul. Donc là si on prend cette porte, tac, le monde sera petit. Voilà. Bon écoutez, je pense que je vais faire encore ce stage, puis après on arrêtera. Oh là là, là je m'en souvenais pas. Oh foiré. Hop. Super. Franchement, si ça c'était pas du King of the World. Je sais pas ce qu'il faudrait. Donc là, le château. Je continue. Oh là, je vais prendre celui du milieu. Je pense que ça change. Oh non! Oh non, cool, c'est une fleur de feu. Ah oh, bah là, il faut sympa. Là, une fleur de feu, ça ira. Ça ira toujours. Donc là, on va se faire la tour. Bon, ça va, on a beaucoup de riz. On a 4 réserves. 4 réserves! Super! Presque rendu à une demi-heure. Merde. Alors là, je pense que je vais crever. Oh loulou. Mais quel con. Oh, oh là là. Bon, écoutez, je vais faire un dernier essai. Avec un. Avec une feuille. Tac. Alors attention. Ah mais quel con, mais pourquoi j'ai. Mais. Purée de. Bon écoutez, on va s'arrêter là.
Puis moi, je vous dis bye bye à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut.